آقای توماس ماتیو گفتن که در مورد اینکه چگونه بلاهای زندگی گوناگون افراد دریافت بکنه، درک بکنه، با هر کس به گونه فردی تماس برقرار بکنه و بگذاره که قصه زندگیش را برای ما بیان بکنن، از اون طریق میتونه و واقعیت‌های زندگی فردی افراد دست پیدا بکنه. در بخش دوم آنتوان از شما سوال کردم که وضعیت مهاجرین در فرانسه، در رقه، در جاهای دیگه تفاوت داره یا در یک وضعیت یکسان قرار داره؟ Quand je suis arrivé ici, je me disais que c'était une chance pour moi et pour les autres de pouvoir dénoncer à travers moi, parce que j'ai eu la chance d'avoir la langue française, de pouvoir communiquer avec les journalistes ou avec n'importe qui. Je me disais qu'on pouvait peut-être déposer une plainte ou montrer comment ça se passe là-bas. Mais je me suis rendu compte que les médias, ils nous utilisaient juste comme des objets pour faire un peu de la pub ou je sais pas comment expliquer ça. Ils demandent beaucoup plus comment on a traversé, mais pas pourquoi et comment on vit là-bas ou qu'est-ce qui se passe là-bas. Et là, ça m'a choqué, comme le disait Raphaël Kraft quand on s'était croisé. Je voulais qu'on en parle de la Libye. Parce que là, aujourd'hui, moi, l'exil a fait de moi ce que je ne sais même pas. Quand on me demande d'où tu viens, j'ai du mal à dire, à me définir moi-même parce que je suis né au Soudan. À 5 ans, j'ai fui au Soudan avec mes parents, on s'est installé au Tchad. À 16 ans, on a fui le Tchad, on s'est installé à Libye. Et à 26 ans, j'ai fui la Libye pour venir ici. C'est compliqué de me définir moi-même. En Libye, j'ai vu des bourreaux, les pompiers, des personnes vendre, des personnes acheter, des personnes, on en a parlé, je t'ai parlé de ça il y a cela presque un an aujourd'hui, que l'esclavage est en train de continuer toujours en Libye. Mais comme moi, je ne suis rien, mes paroles, mes mots ne sont plus rien du tout. Ils ne vont pas traverser les oreilles du journaliste qui m'écoute, qui sûrement lui va mettre ça de côté. Et souvent, on fait des interviews de 30 minutes, une heure, mais c'est réduit souvent à 5 minutes. Juste le temps de prendre ce qu'ils veulent écouter et entendre, et c'est tout. Sinon, moi, vous imaginez si j'avais pu faire une vidéo des personnes qui venaient quand on était dans une prison où il y avait plus de 700 à 800 personnes, un homme qui vient avec sa voiture et dire « Alors, moi, je veux acheter des jeunes filles, pas plus de 20 ans. » Et là, il y a une trentaine, cinquantaine de jeunes filles qui viennent de partout de l'Afrique, d'Érythrée, d'Éthiopie ou du Ghana qui souvent se présentent les seins nus obligatoirement pour que l'acheteur puisse voir quel corps l'intéresse. Et ça existe. Jusque-là, c'est des choses que j'ai vues de mes propres yeux.